suis aujourd'hui à la fête de l'université de Namur où on trouve du beau monde, de la bonne musique et une super ambiance. Et quant à moi, je suis là pour une mission un petit peu particulière, découvrir le nouveau Nescafé Select 3 en 1. Alors les filles, vous avez goûté le nouveau Nescafé Select 3 en 1, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment très bon, moi qui ne bois jamais de café, je suis vraiment agréablement surprise. Et ça vous plaît? Oui, c'est vrai que c'est un bon mélange avec le lait et le sucre. Je le recommande à tout le monde, il est délicieux. Et on sent vraiment le petit goût de lait et le truc sucré derrière, c'est vraiment incroyable comme sensation. Bah, ce petit goût sucré qui est d'origine, c'est chouette. Alors visiblement, le goût du nouveau Nescafé a pas mal de succès, mais est-ce que les gens sont vraiment bien réveillés? On va les tester tout de suite avec un petit concours. Bonjour, voilà, je vous invite au concert de Sweet Coffee. Si vous reconnaissez le titre de la chanson jouée au saxophone, vous le notez ici. Et un grand tirage au sort tout à l'heure désignera le gagnant de 2 tickets backstage pour un festival de musique bien connu en Belgique cet été. Alors les filles, vous faites partie des grandes gagnantes du paquet de Nescafé Select 3 en 1. C'était quoi la chanson? La Panthère Rose. C'était un Panthère Rose. Vous êtes des fans maintenant de Nescafé? Oui, franchement, c'est super bon. Ouais. Vu le nombre de bonnes réponses, il faut croire que le café a fait son effet. Si toi aussi tu veux gagner des tickets pour toi et la personne de ton choix à un festival de musique cet été, deviens fan de la page Facebook et peut-être que tu gagneras aussi un an de café. Bonne chance et à bientôt. Nescafé Select 3-in-1, disponible en magasin.